C'est au niveau de la belle plage de Lens-à-la-Gourde, derrière la première frange de récif de la pointe des Châteaux, que démarre la petite promenade facile et sans danger de la pointe à Cabri. Ces lieux, occupés très tôt par les populations amérindiennes, sont un des sites archéologiques les plus importants de la Caraïbe. On y trouve encore les traces d'une importante communauté arawak. À partir du repère, tu as des éléments de la faune, de la flore. Il y a des oiseaux qui passent. On est véritablement dans un lieu apaisé. Avec la mer, c'est vrai, c'est sympa. Vraiment sympa. Le chemin sillonne le long de la côte en suivant l'arrière-plage, entre sous-bois de mapou, de résigné, de fourrés composés de tibaume et de romarin. C'est un panorama sauvage, brûlé par le soleil et balayé par les vents de l'océan Atlantique. Après quelques minutes de marche, vous voilà parvenu à votre destination. Vous apercevez l'îlet de l'Éperon, le nord de la Grande Terre, la pointe Tarare et plus au large, l'île de la Désirade. Un des plus beaux paysages de la Guadeloupe qui s'offre ici à votre vue. Le sentier de la pointe à Cabri, situé à Lens-à-la-Gourde, à proximité de la pointe des Châteaux, est une trace de courte distance, accessible à tous âges. C'est un moyen de découvrir un panorama exceptionnel, une histoire, histoire amérindienne, histoire guadeloupéenne, mais c'est aussi un moyen de faire de l'exercice et de dépenser un peu d'énergie positivement tout en découvrant l'histoire de la Guadeloupe et le patrimoine de la Guadeloupe. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo, portez de bonnes chaussures, ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets, ne surestimez pas vos forces. Bonne balade! La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour la prévention et l'évolution de certaines maladies. Les parcours sportifs de santé sécurisés, installés dans chaque commune de la Guadeloupe, sont faciles, gratuits et proches de chez vous. Toutes les informations sur le site www.mangerbouger.fr.